Il est actuellement 5h30. Yo les gars, c'est Gidal, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Ok. Yo les gars, c'est Gidal, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Ça rec encore là? Ça marche ce truc, attends. La coupe de cheveux, ouais. Entrez. FBI. On se calme, vous on peut faire un selfie avec le Schmitt. Vous asseyez tous sur le canapé s'il vous plaît là, ça va pas rigoler. Yo les gars, c'est G-Live, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, je vous avoue. Du coup les gars, je vais juste vous montrer un truc. Il est actuellement 1h du matin. Les gars, on va pour le match Nice-Strasbourg. Je suis déjà à mon deuxième déplacement. J'espère pouvoir en faire le plus possible. Là, je suis accompagné les gars de Yann, de Arthur, c'est le moi. Caméraman, de Angèle, et le numéro Tigrou. 19. Bon les gars, du coup, on vient de s'arrêter, première pause, on a passé Toulouse, on est rentré sur l'autoroute. Il est actuellement les gars 3h25 et l'arrivée prévue 8h par là. Balles, frère. Sauf que là, à chaque fois qu'on va s'arrêter, je sens qu'on va s'arrêter 1h30. Bon. Vraiment. Trop le seum, j'ai pris que du lait, c'est dégueulasse. Les gars, je vous filme l'heure du départ, là. Dites-vous, attends, je vous redis l'heure. Voilà. 3h26. Donc il est 3h26, les gars. Les gars, j'ai pris des chips au sel de Guérin. On va lancer un débat en commentaire. C'est quoi vos chips préférés? Barbecue, hamburger. Brett. Non, pas de marque. Aïe, aïe, aïe. N'hésitez pas à prendre la plaque. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là, c'est la petite tuture. Pas une poubelle à part ta voiture. Hop là, voilà. Le petit canard. Voilà. Les gars, putain. Ah, mais oh, ça, deux vidéos avec toi, deux vidéos que tu la montres. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Je promets, je vais prendre un chocolat. Prends un café. Ah, vas-y, allez-y. Oh, notez, ça dégaine sur 10, les gars. Non, normalement, ça doit être comme ça. C'est bien. Et moi? Non, mais off. Non, toi, ça passe, y'a du flow. 3h43. Les gars, on va arriver après le match. 45 minutes de pause, vous êtes fiers? Pas moi. C'est pas 45 minutes de pause. Mais si, on s'est arrêté à 3h. Arrête de mentir. 3h06. Je propose un truc. Chaque. Là, tu fais un plan, un gros plan à tout le monde. Et on dit tous un mot, juste un mot, et après tu coupes. Un mot, ok, un mot. Bah, RS. Un mot. T'es con quoi? Ça, c'est une marque. C'est une marque. Il a des problèmes de. Ouais, bon, bref. Attends, on va arriver à midi ou quoi? Aigle. Animaux. Moche. Panneau photovoltaïque. Chimpanzé. Bon allez les gars, on se retrouve à la prochaine pause, c'est-à-dire dans 15 minutes. Ils ont tous bu 3 cafés, donc là c'est mort. Oh attends, je suis pas allé aux toilettes. On fait un petit point route. Donc il est actuellement 5h37 à Montpellier les gars. Du coup, il nous reste 3 heures de route. Il va prendre la relève. Producteur un peu, moi je vais me reposer sur le côté. Les bon, gars, il y aura pas de suite à cette vidéo, je vous le dis. Transition petit déj. Vas-y, transition petit déj. Allez, au petit. Dur le réveil là. Dur le réveil. Il a pas dormi. Moi j'ai dormi combien? Une heure? Ouais, une heure. J'ai dormi une heure. Oh non, je suis tout mouillé. Ça m'en fait une ex. On arrive dans 1h45. C'est encore pire que Frisbus. Quel malheur. Notre cul des pieds là. Ah, ah si, ouais, si on veux, pouvait je... avoir une caméra olfactive. Olfactice. C'était bien là. Ouais, olfactive je crois. Pour que vous sentiez en même temps que nous. Ça y est. Non, ça pue la merde, gros, la tête de ma mère. Franchement, s'il y avait une touche pour sauter, j'aurais sauté. Ah ouais. Ah mon gars. Et où? Allez,
les gars, on est arrivé à Nice. J'ai repris le volant parce qu'Arthur c'est un fatigué. Oh ta gueule. Oh, oh. Eh hey, gros. Ah là là. T'arrêtes hein. Sinon ouais. Je t'étrangle, on finit tous dans le mur. Non non. T'es prêt ou pas? Tu vas voir l'alliance. Ah, on va voir l'alliance bébé. Oh bouffon. On s'enlève. 1h15. On est parti à quelle heure? 2h. 8h. Non, ça fait 8h. On a fait 1h. On est parti à 1h30. Oui. On est parti à 1h30. Je pensais au moins non. Les gars, du coup, là on est à Masséna. Et vous connaissez, je pense, enfin ceux qui connaissent bien Nice. Arthur qui a fait un petit craquage. Montre Arthur. Oh. Voilà, il a acheté une petite sacoche. Ta gueule. Essayez d'estimer le prix en commentaire. Ta gueule, ta gueule. Moi, celui qui est le plus proche du prix, ah, Arthur offre la sacoche. Hop. Précise que ça a été acheté à la Galerie Lafayette. Bon, là, voilà, ça a été acheté à Galerie Lafayette. Go. Il bouffe tes trucs depuis tout à l'heure. Non, non, c'est pas vrai. C'est bah, du coup, il y a la vidéo. Rien s'est passé comme prévu. Les gars, il est actuellement 15h. On est là depuis quelle heure, nous? On est rentré vers quelle heure? 14. Non, même moins. Ah 13h30, je crois. 13h30. Ça y est, les gars. Arrivé sur le parking. On va prendre la navette. Et là, c'est parti. Dernière ligne droite. Et on arrive au stade. Alors, supporter niçois, tu t'appelles comment? Je m'appelle Raphaël. Raphaël, tu supportes Nice depuis combien de temps? Bah, depuis que je suis né, je supporte. Depuis que t'es né. Et ce soir, tu pronostiques combien? 2-1 pour Nice. 2-1 pour Nice. Et les buteurs? Ah, j'irai la bord des Diop. La bord des Diop? Ouais. Nickel. Bon, bah, bon match. Merci, toi aussi. Merci à toi. Ça y est, les gars, de retour sur le parvis du stade. Ça fait plaisir. Match contre, du coup, Strasbourg. On espère gagner la première victoire de la saison. Là, les supporters, ils ont l'air d'être confiants, en vrai. Hein. Là, c'est... Ça va être une bonne ambiance, je pense, encore aujourd'hui, comme le premier match. Et là, on espère vraiment la première victoire. Ça ferait plaisir. Là, les gars, on a installé, ça y est, on est à nos places et regardez comment on a installé. Est-ce que c'est pas parfait? Les gars, on est en plein cagnard, ça j'avais pas pensé à ça en prenant les places. C'est il fait chaud, hein. 30 degrés là, le soleil juste là. Voilà, du coup, en vrai, les gars, ça va être un format différent que l'autre fois parce que l'autre fois j'étais dans les populaires donc il y avait eu de l'ambiance tout le match. Là, ça va être un format un peu plus calme. Je vais essayer plusieurs places et tout, d'un stade, tout ça. Bon, j'étais déjà venu, mais à l'époque, je filmais pas. En tout cas, c'est cool. Bah, là, on est proche des joueurs. Ça, c'est plutôt pas mal pour les plans. Je valide. Oh.
Déjà un carton jaune pour Dante, vous savez. Quand Dante il se prend un carton jaune, c'est que c'est l'arbitre qui est mauvais. Hein. Bon les gars, du coup mi-temps, 1-0, je sais pas si ma copine elle a réussi à filmer le but. Oh, ça va ou quoi? Tu vas bien? Du coup les gars, je vous disais, ma copine, je sais pas si elle a eu le but en vidéo, on verra. Et il y a mon pote qui a filmé mais on voit pas grand chose, on a regardé. Donc bon bah peut-être que vous l'aurez pas, mais en tout cas beau but de Youssef Attal. Il fait crochet, crochet extérieur, ouais. Crochet extérieur. Il re-rentre dans la surface et il tire du pied gauche. Magnifique enroulé. T'as vu la vidéo? Ouais, j'ai vu, ça passe. Tu fais quoi? Photographe? Ah! Il a vu ma vidéo? Mon avis, c'est que là, on a mal repris. On est sur un mauvais tempo. On a bien joué. On pourrait au moins être à 2-0 ou 2-0. Pour être gentil. Adversaire très respectable sur le terrain. Yes, ils ont Dante. Les gars, fin du vlog, fin du match, on a gagné 2-0, bon match, mieux que contre Lille et mieux que tous les matchs de début de saison. La caméra elle a coupé comme d'habitude, plus de batterie. Alors, ma copine elle a pas fait des plans de ouf. Du coup le parvis c'est un peu dégagé, c'est plus facile de parler. Donc ouais en vrai ce sera pas un vlog hyper qualitatif. J'espère quand même que les plans ils vous auront plu. Je suis passé à la boutique, je vous montrerai tout ça, porté vite fait. Si je pense que je vais le mettre. J'aurais dû prendre un blanc parce que là il y a un petit bonus peut-être, je sais pas encore.
faut que je joue avec Noé, je sais pas si vous le connaissez. Re les gars, ça y est, on est rentré. Bon là ça fait 2 jours, j'ai pas eu le temps avant de me mettre sur le montage. Du coup là en fait j'ai seulement de m'y mettre, enfin ça fait quelques heures. J'avais pas fait d'outro, j'y ai pas pensé directement en rentrant. On est rentré, il me semble qu'on est rentré à quelle heure? 4h, on est rentré à 4h. Et comme vous pouvez voir, je porte le maillot que je vous ai montré. Je vous avais dit que je vous le montrerais porter. Bon voilà, au moins vous le voyez, bon, c'est le maillot d'entraînement classique. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre les likes, à vous abonner et puis à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, répondre à tous les sondages, j'ai eu le truc des chips et tout. Comme je vous ai dit, il y avait un petit bonus avec Noé, ça a été très compliqué. Je vous en dirai plus une prochaine fois si jamais ça se fait. D'ailleurs, je souhaite un très bon anniversaire à Noé. On est le 5 septembre, donc c'est son anniversaire. Bon anniversaire à toi. Et merci, j'ai pu discuter un petit peu avec lui. Enfin, vraiment, je vous en parlerai plus tard quand tout se fera. Il y a quelques bonus sur Insta, donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mettrai juste ici ou là, enfin je vous le mettrai quelque part sur l'écran. N'hésitez pas à aller voir ma story à la une au GC Nice. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu, je vais essayer de refaire un déplacement au plus vite. C'est vrai que c'est quand même fatigant, là je suis en train de m'éterniser sur l'outro. Je vais faire quelques déplacements quand même, j'espère pouvoir faire quelques vlogs cette saison, ça peut être cool. Enfin la première victoire et puis on espère faire une bonne saison. Encore une fois, Issa Nissa. Donc je vous laisse, c'était G-Life. Peace.